Voilà, vous entendez la musique comme moi-même, dans quelques instants, le départ du mémorial Gérard Toto sera donné. Dans quelques instants, on va baisser le ruban jaune. Tout le monde est en jaune cet après-midi, hormis les coureurs, qui ont gardé la tenue du club, mais tout le monde est pratiquement en jaune, toute l'organisation est en jaune cet après-midi. Nous sommes ici dans la ville du Saint-Esprit pour le départ de la course en souvenir de Gérard Toto. L'ambulance va fermer la marche. Vous voyez, les véhicules ouvreurs et là, ouvreuse également est là. Voilà, ce véhicule-là qui est là, c'est cette personne qui sera en avant de course. Et après, on verra le départ très éminent de ce mémorial Gérard Toto. Voilà, un départ qui sera donné dans un instant. C'est vrai, le départ était prévu à 14h, mais pour des raisons techniques et d'organisation, le départ a été retardé. Et dans un instant, vous allez pouvoir vivre en direct le départ du mémorial Gérard Toto. Voilà, ça va pas tarder. Dans quelques instants, on va pouvoir baisser le ruban jaune et libérer ses coureurs. Je rappelle, dans ce groupe, dans ce peloton, il y a deux filles. Eh bien, c'est la fille de Gérard Toto, c'est Naomi Toto et Julia Couturier. Julia Couturier, Miss Beauté Noire, elle est là, Miss Beauté Noire. Gérard, Julia Couturier, Miss Beauté Noire, Miss Beauté Noire est présente dans cette course. On n'a pas vu Béatrice Perronnet qui se trouve dans la course des cadets. Voilà, les dernières consignes sont données. Dans quelques instants, vous allez voir, le drapeau va s'abaisser et ce sera le départ. On va faire d'abord une minute de silence. Voilà, il y aura une minute de silence avant le départ de ce mémorial Gérard Toto. Enlevez vos casques.